lutte contre le terrorisme. Une délégation de la DICT dans nos murs. Une délégation de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme, ou DECT, des Nations Unies, conduite par Jean-Paul Laborde, directeur exécutif de la DECT, effectue une mission d'évaluation de 3 jours dans notre pays. Durant son intervention, M. Laborde avait fait remarquer que Madagascar est encore loin d'être active en termes de lutte contre le terrorisme. Cette mission de la délégation de la DECT, composée de 5 personnalités, intervient dans le cadre du projet E-Act relatif à la lutte contre le terrorisme en réponse aux sollicitations du gouvernement malgache. Si Madagascar avait été désigné en 2008 pays pilote en matière de lutte contre le terrorisme, compte tenu de la situation de crise qui avait prévalu depuis 2009, le projet d'assistance dont la Grande Île aurait dû bénéficier avait été suspendu. Cette nouvelle assistance de la mission de la DECT devra permettre aujourd'hui de renforcer la coopération internationale afin d'assurer la mise en œuvre effective par Madagascar de ses engagements internationaux.